Si malédiction, on pouvait agir sur quelqu'un là. Tu penses que les gens laissent ton fils même là. Si malédiction agissait là. Tu penses que ton fils, que tu regardes matin, midi, soir là. Il n'allait pas être lépreux du nez. Ses narines, lèpre n'allait pas pousser sur son nez. Tellement que les gens l'ont maudit. Ton fils, malédiction que sur lui là. Si ça atteignait quelqu'un là, il allait avoir lèpre sur son nez. Vous comprenez? Vous ne contrôlez rien. Et puis où ça doit partir, ça doit partir. Qu'on n'a rien de plainte, que plainte de quoi? Toi, tu as passé ta gaïa bouche, André. André, 350 à insulter les gens ici, là. Quelqu'un a porté plainte contre toi? Quelqu'un a porté plainte contre toi? Tu sais ce qu'on appelle plainte en France? Mais il fait long communiqué. Oui, moi, en tout cas, je ne pardonne pas. Tout ce qui ne pardonne pas. Toi, tu sais ce qu'on appelle je ne pardonne pas. Toi, là, de toute façon, tu as insulté les Burkinabés, les trucs. Si les Burkinabés voulaient s'élever contre toi, c'est pas eux qui vont prendre pour mettre dans tes fesses pour te dégonfler. Tu vas te dégonfler, pff, ici. Impolite. Tu as insulté les Guinéens, insulté les Camerounais, insulté les Congolais, insulté les Burkinabés. Ils t'ont attrapé à Château-Rouge, mais ton goto. Toi, ton palmarès est éloquent sur Facebook ici. C'est quoi? Tu es la seule maman sur la terre. C'est toi seul qui es la seule maman qui aime ton fils. Ton fils, il fait des bêtises ici, là. Tu as déjà fait direct ici pour venir et conseiller ton fils en direct. Et puis, c'est toi qui vas conseiller l'enfant de quelqu'un d'autre. Calmez-vous, hein. Nous, on n'est pas là pour... On n'est pas endormi, hein. On est vigilant et puis on regarde. Vous comprenez? Votre manigance que vous faites là, pour que vous soyez là, vous deux, et puis tous les marchés viennent chez vous, vous montrez les autres comme des mauvais, vous montrez les autres comme des derrière, et puis vous êtes là, vous montrez votre bonne image. C'est vous les enfants jolis du pays, et puis vous prenez les marchés. On vous voit. Si Jurance pouvait faire construire étage de Dubaï à quelqu'un là, on dit maman, mais fais grand soin des gens. Moi, il y a 43 ans. Tu comprends un peu? Donc, faut te calmer un peu. Voilà. Faut pas que votre succès embryonnel vous monte au cerveau jusqu'à ça vous rend bête. Là, n'en rajoutez pas. N'en rajoutez pas. Sinon, Côte d'Ivoire, c'est pour nous tous. Voilà. Vous en rajoutez là. On va vous faire ça propre pour vous donner. On va se rendre arrogant. Et puis là, je n'insulte pas. Je préviens. Là, je n'insulte pas. Vous en rajoutez là. On va venir tout gâter. On va tout gâter. Ok? Qui vous calculez ça? Méfiez-vous, hein? Méfiez-vous. On veut changer le blog ivoirien. Tous les jours, vous faites une vidéo ici, là. On est venu changer le blog ivoirien. Ok, vous êtes en train de faire endormir les gens pour pouvoir manger sur le dos des gens. Les autres ont le droit de se taire. Et puis, c'est vous qui faites votre arrogance et puis on vous regarde. Ça va pas chez vous. Ça va pas chez vous. Facebook, ça vous appartient. Quand ils sont là, ils n'ont rien à dire. On est venu pour révolutionner. On veut que chaque blogueur t'attend. Mais après, vous tapez, vous enculez derrière. Vous faites endormir les gens et vous les enculez derrière. Et on doit vous regarder. Vous allez pour faire du chantage, pour vous faire genre, oh, plein. Plein, c'est quoi? On vous voit. La méchanceté. Votre méchanceté, vous êtes dedans là, on vous voit. Vous allez diaboliser les autres et puis montrer que c'est vous les meilleurs. Puis tu viens faire pause derrière. Quand je juge, je fais rien, je fais quoi. Et puis on a qu'à faire quoi? En France, ici, plein, c'est quoi? Il y a flagrant délit, il y a blessure, il y a coup et blessure, il y a violence. Tant qu'il n'y a pas violence, pour aller prendre médecin légiste pour constater violence là, ça va aller où? Jurance, ça va amener où ça? N'importe quoi. Tu sais ce qu'on appelle procédure judiciaire? Même rappel à la loi, ça fait pas. Tu dis non, écoutez, vous êtes dans un pays de droit modéré. Si les réseaux sociaux ici, jamais de la vie. C'est vous qui n'êtes pas là à l'école, vous êtes tellement bête que vous pensez que vous pouvez intimider des gens avec des conneries comme ça. Qui vous regarde avec ça même? Regardez-moi des conneries comme ça. Petit pas. Oh les maudits, oh les taouais. Ils sont mieux que qui? Ils sont mieux que qui ici? Ils sont mieux que qui? Quand on ne parle pas, vous voulez nous amener à parler. Donc, on n'a qu'à laisser Aya, et puis vous êtes derrière elle, vous avez le droit de lui parler, mais pour vous, la personne a le droit de parler. Vous êtes malade? Vous êtes malade? Regardez, c'est Facebook. Vous comprenez? C'est même les conneries de Facebook qu'on fait là. C'est même les conneries de Facebook. Et puis, on est là, on vous regarde. Vous sortez, on sort. Vous êtes qui? Vous sortez, on sort. Vous sortez 10 fois, on sort 10 fois. Et puis on va se mesurer ici. On va mesurer nos injures ici. On va mesurer qui est qui ici. Si vous ne savez pas vous faire respecter là, on va vous dire que vous ne contrôlez rien. Tu n'es pas la maman de tous les Ivoiriens. La maman de tous les Ivoiriens, elle s'appelle Dominique Ouattara.
La place des mamans de toutes les Ivoiriens que tu cherches, que tu veux, là, il y a les procédures pour les avoir. C'est le respect. Il faut respecter les gens. Il ne faut pas piétiner les gens. On pleure pour toi, on pleure parce qu'on t'a insulté. Et toi, tu viens de façon arrogante pour frustrer les gens. Tu cherches l'argent sur ton injure. Nous, on pensait que tu as couché à la prison, on pensait que tu as trop mal. Tu viens te rendre belle, tu vends les pommades, tu vends les colliers, tu vends les trucs. Tu fais commerce sur ton intimité. Tu fais commerce sur injure que toute la terre est en train de me parler là. Tu fais commerce de ça. Tu cherches l'argent de Facebook de ça. Et puis, tu veux jeter la petite à la vindique populaire. Ça ne passera pas. Ce que je dois dire là, j'ai dit. C'est trop. Arrêtez ça un peu là. Arrêtez ça un peu. C'est quoi? La fille, elle a fait quoi? C'est la mort. Arrêtez ça un peu. La maudite qu'elle a là-bas, la fille qui n'a pas de dents, la fille, ses dents, on a mis 5 aiguilles en bas là. Quand elle est mal élevée, elle insulte les gens là. Quelqu'un est sorti comme ça pour la vilipender? Quand elle a fait sortir son sale doigt pour qu'on insulte sa maman là, il a fait des reproches. Il a fait des reproches. Depuis qu'elle est sortie contre cette fille, toutes ces bêtises que cette fille mal élevée qui est là-bas là, qui fait qu'on manque de respect à tout le monde là. Depuis quand quelqu'un est sorti sur elle ici pour lui dire que ce que tu fais n'est pas bon. Ne serait-ce que pour l'humilité qu'elle a eue, pour demander pardon à la dame là. On dit ok, vraiment que Dieu te bénisse. Vous sortez là-bas? Non, c'est hypocrite. Elle n'a pas bien demandé pardon. Votre saleté d'être vige là-bas là, vous pouvez lui parler comme ça? Votre saligo d'être vige là, vous pouvez lui parler comme ça? Des imbéciles comme ça, vous pouvez parler comme ça d'être vige? C'est Aya Robert qui vaut moins cher. Des chiens de brousse comme ça. C'est Aya Robert qui vaut moins cher. Des nyamordés comme ça. Vous êtes malade ou bien quoi? Vous pensez que Facebook a ses pouvoirs, papa? Nous, on s'en fout de qui vous suivez. On est obligé de vous suivre. C'est même que vous parlez d'elle là. Nous, on s'en fout de ça. Ok? Ce n'est pas la maman de tous les Ivoiriens. C'est quoi? Si ça ne fait pas respecter là, nous, on va lui dire que ça ne fait pas respecter. Tu restes dans ton coin. Les gens sont en train de faire ton palabre. Les blocages font ton palabre. Tu viens gaillardement, tu viens narguer les gens. Que non, même si Dieu. Bon, Dieu n'a qu'à descendre, il va faire quoi? Dieu ne va faire quoi? Dieu ne te connaît. Dieu te connaît. C'est toi qui es la grande prêtresse de Dieu. C'est comme toi, tu as dit, et puis Dieu va faire quoi? Dieu va enlever Aya Robert 6 en France. Arrêtez ça un peu, là. Quand on dit non, quand on t'insulte, ça va faire la compassion. Les femmes bêtes aussi, elles vont venir pleurer. Ou on a insulté la femme. Et la femme en train de manger là sur vos dos. Vous les femmes comme ça, vous ne pouvez même pas être intelligentes. Vous ne pouvez même pas réfléchir. Reste dans ton coin. On t'a insulté là. On dit non, elle n'a rien fait, elle est assise chez elle. Et puis on l'insulte. Mais chaque 2 minutes, elle fait poste pour narguer les gens. Chaque 2 minutes, elle envoie son fils pour venir narguer les gens. Si on l'insulte là, c'est bien fait pour elle. Voilà. Laisse-le insulter Yves Dero là. Ça n'a pas fait incident sur Yves Dero. Mais quand Aya Robert t'a récupéré là, tu as vu tout le tohu-bohu que ça fait, non? Ça veut dire que les bouches d'Aya Robert là, c'est plus sale que pour Leslie. On a la tête pour réfléchir, on sait ce qui est bon, ce qui est mauvais. C'est quoi? On peut pas respirer? Vous êtes là, vous marchez Edwige là. Edwige, c'est la femme la plus impolie, la femme la plus maudite de la terre. Vous avez fini de régler son problème? Celle qui a manqué de respect, ici, qu'elle est dans le salon de la femme, mettre doigt d'honneur ici, quelqu'un a parlé, on l'a soutenu, non? Avant tout, vous voulez tuer la fille, vous voulez qu'elle fasse quoi? Elle a demandé pardon. Vous voulez qu'elle fasse quoi? Elle n'a qu'à se suicider. Elle n'a qu'à disparaître de la terre. Vous êtes sérieux là? N'importe quoi. Je ne laisse pas. Au nom de Dieu, je ne laisse pas. On va voir Dieu là. C'est vous ceux qui avez Dieu là. On veut voir ce Dieu là. On veut voir ce qu'il va faire. Il va faire quoi? Tout ce que l'un de ton fils il mange aujourd'hui là. Où il a eu ça? C'est pas dans un politesse de Facebook là, il ça. C'est pas dans un jus de Facebook là, il ça. Il a eu ça où? Parce que maintenant, il a des gens qui lui donnent l'argent, il est rassasié, il a arrêté. C'est pas Facebook, c'est pas un jus de Facebook qu'il a pris pour être ce qu'il est. Avec le choc, faire le choc, c'est